Vous voyez ces trois mecs actuellement, c'est mes élèves. Et là, la personne que vous voyez en face de vous, bah c'est moi, leur professeur. Et pas n'importe quel professeur. Puisque oui les mecs, aujourd'hui je suis le professeur qui va vous faire un contrôle. Oh non. Car bon, comme vous pouvez le voir actuellement, ils sont tous en CP. Et moi j'ai 35 ans. Y'a quoi de drôle? Eh bah si, figure-toi qu'il a 35 ans et qu'il est encore en CP. Mais bon, aujourd'hui c'est ton jour de chance. Comme le jour de chance à toi et toi aussi, vous allez pouvoir monter en classe. Puisque oui, vu qu'ils sont en CP actuellement, je vais leur poser chacun à leur tour des questions de CP. S'ils réussissent, ils passent en CE1. Et du coup, je leur poserai chacun à leur tour des questions de CE2. Par contre, s'il y en a un de ces trois-là qui loupe une question, il redouble. Oh non. Ce qui veut dire qu'il restera encore dans sa classe pendant un tour. Bon, du coup, je sais pas si vous avez compris, c'est un concept de Pierre Cross. Et leur but, les mecs, c'est d'arriver jusqu'au collège en 3ème et de réussir le brevet. Mais du coup, on va voir qui va le faire en premier. Bon, du coup, on va poser notre question à notre premier élève multicore. C'est une question niveau CP, hein. C'est extrêmement facile. Hein. Quelle est la 4ème lettre de l'alphabet? Quand ça, tu réfléchis? Non, mais au cas où, j'ai peur, il y a une pression. Non, c'est D. Oui, voilà, ok, ok, bien joué. Il a bien répondu, il passe en CE1. Bon, bah, moi, du coup, c'est multi, hein. J'ai 21 ans, donc ça fait longtemps que j'ai pas été en cours. Donc j'ai un peu peur des questions qui vont arriver, mais j'espère que ça va le faire quand même. Bon, sinon, du coup, mon deuxième élève, c'est toi, Lined. Et j'ai une petite question. Si on mélange la couleur bleue et la couleur rouge, qu'est-ce qu'on obtient? Du violet. Oui. Oh, j'ai senti le coup de stress. Dans bouche un coin. Hein. J'ai senti le coup de stress. Ok, tu passes en CE1, bien joué à toi. Salut, moi c'est Lined. Bon, les vidéos Minecraft ça marche plus trop, donc je dois passer des diplômes. Donc voilà, on m'a mis dans une classe avec un mec qui a les cheveux jaunes pisse et un mec qui s'est fait chier dessus par une licorne. Et bon, du coup le dernier élève c'est 708CN. Oui. Et bon, 708CN, j'ai une petite question pour toi. Oui. 15 - 10, combien ça fait? 5. Oui, maléfique. Bien joué. Merci. Comment ça, bien joué? Bon. On t'a dit bien joué à toi? Bah oui, parce que je suis trop fort et lui il est trop fort. Vous dites ça comme si c'était la question de l'année là. Tout le monde l'a fait dans les commentaires. Bonjour, je m'appelle Seton Sen, j'ai 17 ans et je suis au CP. Voilà. Au fait, les mecs, petite pause. Regardez-moi ces 5 mecs actuellement. C'est les 5 derniers mecs qui viennent de s'abonner à la chaîne. Merci beaucoup à eux de s'être abonnés. Donc bon, abonnez-vous vous aussi si vous voulez peut-être passer à la prochaine vidéo. Mais bon, on reprend. Bon, bah du coup, les mecs, le premier tour est fini. Vous êtes tous passés en CE1. Bien, qu'est-ce que tu fais avec ça dans l'école, toi? Je mange, j'ai faim. Non, mais t'es pas censé manger en cours. Range ça. Ok, désolé, c'est bon, j'ai rien. Du coup, on va passer à ta question de CE1, toi. Ok. Je vais quand même lui faire une cage en attendant. Merci. Une cage pour les élèves qui font n'importe quoi. Très bonne idée. Moi, je suis gentil. Si t'es gentil, réponds à cette question. Qu'est-ce qui entourait les châteaux forts au Moyen-Âge? Une muraille. Oh, il est malin. Ah, il est malin. Ce n'est pas ça la réponse que j'attendais. Dis-moi un autre truc. Oui, des douves. Ok, très bien. Très bien. Il a dit 6 réponses. Non, mais j'ai dit deux réponses. J'ai dit les deux qui étaient bonnes. À toi, mon suivant élève, Lined. Quelles sont les 5 grandes périodes de l'histoire? Allez. Je vais en prison. Quoi? Je viens avec toi. Mais c'est facile. Mais c'est des questions CE1. Mais les mecs, on est d'accord que tout le monde sait que c'est préhistoire, vrai, antiquité, Moyen-Âge, temps moderne et époque contemporaine. J'aurais pas eu la fin. Moi non plus. Oh là là. Bon bref. 708 scènes, c'est ton moment là. On va te poser une question niveau CE1. Qui est ton niveau actuel? Cite-moi 3 mots qui ont la lettre G qui se prononce avec le. Comme un J. Pas un G. Bon bref, ma question était incompréhensible, mais tu as compris. Dérange. Ok, dérange, oui. Judo. Non, c'est un J, perdu. C'est moi qui l'ai envoyé judo par SMS. Mais pourquoi t'as écouté? Pourquoi t'as écouté? Attends, pause. Il a dit jus d'orange et t'as validé. Donc tu redoubles. Il a dit je dérange. Non. Jus d'orange. Voilà, jus d'orange. Mais t'es bête ou quoi? Orange, y a un G. Ah, j'ai cru le début. Bon, du coup, là, monsieur, vous allez en prison pour avoir utilisé le téléphone en classe. Quoi? Non, c'est pas. Si. Il conteste, hein. Il conteste. Allons, on en prie. On repasse à vous, monsieur. Hein. Question niveau CE2. Attention, vous êtes le premier CE2 actuellement. Vous êtes en tête. Quel est le plus grand océan du monde? L'océan Pacifique. Oh, l'erreur! Oh l'erreur, c'est l'Atlantique. Oh là là, quel idiot. Vous restez en CE2. D'accord. Oui, redoublé. J'ai jamais vu un élève aussi heureux de redoubler. Hein. Bon bref, on va faire comme... Je t'ai dit d'arrêter de prendre ça. Ok, toi tu vas en prison, vraiment. Tu vas en prison. Okay. Tu vas en prison. Ok. Bon, à nous. Question niveau CE1. Conjuguer l'auxiliaire être à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. Je suis. Oui. Vous passez en CE2, bien joué à vous. Bah vu que je suis seul, encore à mon tour. Ah ouais, encore à vous, franchement. Les autres sont en prison, le rappel. Hein, leur tour passe. Comment s'appelle un petit village qui ne regroupe que quelques maisons? Un petit village. Hein. Un petit village? Un petit... Arrêtez de chercher! Oh, j'ai entendu que le ma... Fille de ma mère, cherche pas! Oh, un anneau! Alors là... J'ai pas votre micro, monsieur. Hein. D'accord qu'on a entendu quelqu'un qui écrivait au clavier, là. Non. C'est lui qui a écrit. Il m'a envoyé un anneau par SMS. Donc moi, je propose... Hop. Je propose que lui soit rétrogradé et que moi, je up. C'est vrai que là, vous allez en CE1. Vous retournez en CE1. Bonne idée. Et du coup, c'était quoi la réponse? C'était un hameau, pas un anneau. Vous êtes vraiment une merde. Non, mais c'est la touche N, elle est à côté de la touche M sur mon clavier. Donc... Bon, retournez à votre...
votre place, vous. À votre place. Bon, monsieur, combien font 6 x 6 ? 6. J'ai entendu un 40 là-bas, ne lui donnez pas des mauvaises réponses s'il vous plaît. Je réfléchis monsieur. Allez, allez. La calculette est réfléchie, ouais. Égal, 36. Oh non mais non, oui mais attendez, attendez, non mais... Magnifique. CE2. Du coup, multicore là, vous êtes en CE1 là, mais d'abord, bon... D'abord j'ai un truc à te dire, est-ce que je pourrais repasser en CE2 vu que l'océan Atlantique en fait il est plus petit que l'océan Pacifique. Du coup tu me prends mon panneau. Donc, t'es en train de... Là t'es en train de dire que je j'ai conteste, tort là. Je conteste, parce monsieur, que ça fait deux mais tu crois qu'on est où là pour contester le professeur là? Je conteste, regarde, tu écris CO2 ici. Je crois toi tu vas aller, va voir le directeur. Plus jamais tu contestes mes réponses. Je vais dire au directeur qu'il y a un de ses profs qui sait pas compter. Ah c'est ça ouais, tu lui diras. Bonjour. Bonjour, oui, alors il y a un de vos professeurs là, certain Aspace TV, il m'a dit que l'océan le plus grand c'était l'océan Atlantique. Alors il a raison. Pacifique. L'océan Pacifique, si. 165 millions de kilomètres carrés. L'océan Atlantique, 102 millions de kilomètres carrés, regarde sur Google. Combien? L'océan Atlantique est plus petit que l'océan Pacifique, parce que l'océan Pacifique il fait 165 millions de kilomètres carrés. Non, ferme là au bout d'un moment. On t'a dit d'arrêter de contester, pourquoi tu contestes encore? Je conteste. Tu veux que je te mette un CP? Ah mais vous avez un professeur raté, moi je dis faudrait juste le virer. Retourne dans la classe. D'accord. Plus jamais je vais entendre parler de toi. Ah bah enfin, t'as l'air de trembler là, il t'a fait quoi là le principal? Il m'a frappé, il est méchant. Normal, mérité, t'as contesté ce que j'ai dit. T'es pas en CO2 hein. Bon, du coup, ta question elle est simple. Combien de dents un adulte possède-t-il? 32. Oui. Oh, voilà. Ça c'est des questions que les CE1 ont tous. Ils ont tous eu cette question les CE1. Bon, je ne juge pas le programme scolaire. Alors que même eux, ils ont pas ce nombre de dents. C'est vrai. C'est vrai que c'est plutôt bizarre de leur poser cette question. Lined, on va participer à... Imagine-toi ce scénario là dans ta tête. On a une animation qui s'affiche à l'écran actuellement. Papa fait le plein d'essence chaque semaine dans sa voiture. Donc c'est un papa Lined. Hein. Sachant qu'un plein fait 50 litres, combien aura-t-il dépensé d'essence en 4 semaines? J'ai pas écouté. Je crois qu'il manque des infos. Mais non, il manque aucune info. J'ai pas le prix du plein, non? Mais combien il est passé d'essence en... Mais vous êtes bête ou quoi? Bon bah, toi tu redoubles. Mais non, mais. J'ai une bonne chance. Non, mais t'inquiète. Mais la question était compréhensible. Bon, je te la reposerai le prochain tour, prépare-toi alors. Ok, attends, je t'en pose une, ok? T'en pose une. Non! Ton père fait des courses. Pour combien dépense-t-il de courses? Non! J'ai dit non! C'était 150. Monsieur, 708 CN. Quel est le verbe dans la phrase j'arrête d'être un bolos? Le verbe arrêter, bien sûr! Il est fort le mec. Il Merci. Passe en CM1. C'est un petit CM1 là qu'on a en face de nous les mecs. À vous monsieur Multicore. Quel est l'océan le plus grand du monde? L'océan Pacifique, ça va pas changer. Vous redoublez. Alors c'est l'océan Atlantique. Nouvelle question, CE2 pour vous monsieur Lined. Papa, le papa Lined, fait un plein d'essence chaque semaine dans sa voiture. Oui. Sachant qu'un plein fait 50 litres, combien de litres aura-t-il dépensé en 4 semaines? 200. Voilà, pourquoi? Quoi? Pourquoi? Feur. Allez, va dans la prison. Oh bah, il y avait quand même Monsieur Feur à côté de moi, j'étais obligé. Ah, je l'ai pas dit, moi je respecte le prof, tu vois. Ah, c'est ça. T'as dit quoi tout à l'heure sur l'Atlantique? Bon, bref. On a un professeur super intelligent. Merci. Je dois du respect quand même. Bien dit. Monsieur 708 CN, quelles sont les deux couleurs du drapeau du Danemark? Alors, je sais pas pourquoi Danemark, mais visiblement, les CM1 aiment bien le Danemark. Y'a pas un rouge? Oui. Ok, rouge et blanc. Oui, c'est blanc! Magnifique! Et le GOAT! Ça doit que c'est un vrai CM1. Bon, les CM1, dites-moi dans les commentaires si. Bah vous aussi vous avez des questions sur le Danemark en cours. Parce que à chaque fois que je cherche des questions sur CM1, on tombe sur le Danemark. Bon bref, on va faire comme si on était, mais visiblement vous devez bien connaître ce pays. Dites-moi dans les commentaires toutes les infos que vous avez dessus. Bon bref, en tout cas on va pouvoir passer à vous monsieur Multicore. Question oui, CE2, bonjour. Quel est l'océan le plus grand du monde? Pacifique. Vous êtes redoublé à vie en fait hein. Ah. Restez en CE2, bon bref. Bon lui il est puni lui. Je suis là, je suis à distance. À vous monsieur 708 CN. Je suis le CNED. Non, vous êtes puni, attendez un tour. Combien y a-t-il de cordes dans un violoncelle? Je sors pas de la prison hein. Monsieur 708 CN. Combien y a-t-il de cordes dans un violoncelle? 4. Mais magnifique, vous passez en 6ème. Let's go. C'est une humiliation là, il vous défonce. Bon du coup monsieur Pacifique. Pacifique. J'ai pas encore posé ma question. Vous comprenez pas qu'en cours, c'est une leçon de vie à ce que je vous fais. Faut toujours D'accord. aller vers le professeur. Si le professeur vous... Tu fais quoi, toi? Prison Break. Je refais ça, je t'envoie voir le directeur. Bon, du coup. Quel est l'océan le plus grand du monde? Pense à ce que le professeur va penser. Réfléchis. Le professeur est un petit peu stupide. Du coup, c'est... Pardon? Ouais. Du coup? Bon, ok, je suis gentil, c'est l'océan Atlantique, monsieur. Je vous adore, monsieur professeur. Voilà. Regardez, je peux même vous donner une pomme en or en cadeau. CM1, c'est la fin de l'année qu'on donne des cadeaux, normalement. Ah oui, c'est vrai, désolé. Bon, on va pouvoir reprendre notre élève perturbateur, là. Vous pouvez revenir, vous êtes en CM1, vous. Comme absolument tout le monde, vous êtes dans les derniers, là. Sauter une
classe ou comment ça, il est déjà en CM1? Il avait répondu bon à la question de ce 2, mais il a mis un petit manque de respect, du coup je l'ai mis en prison. Du coup, bon, j'ai une petite question pour vous. Imaginez-vous ce scénario. Papa Linette fait le plein d'essence chaque semaine dans sa voiture. Sachant qu'un plein fait 50 litres et que le prix du litre est de 2 euros. Combien aura-t-il dépensé d'argent en 3 semaines? Ça fait 300 euros. Ah, c'est ça, bien joué à vous, bien joué à vous. Vous passez en CM2. Oh, en CM2. Là, t'es en train de manquer de respect à tous les CM2 dans les commentaires, là. C'est quoi le rapport? C'est bien CM2. Je sais pas. Non mais là, les CM2, dites-lui en commentaire que vous êtes choqués. On passe à vous, monsieur le l'intello, qui est déjà 6ème. Oui. En 6ème, pardon, pas 6ème. Pardon, monsieur l'intello. Vous avez tabassé l'intello? Pardon. Il frappe les autres élèves, hein. Il m'a frappé. C'est un peu n'importe quoi, oh, ça. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Expliquez-moi, monsieur Zotron. Il m'a poussé. Hein, oh, vous a frappé, c'est vraiment pas. J'ai tout vu. Alors, apparemment, on a un témoin, oui. Moi, j'ai tout vu. En effet, il l'a frappé. Honteux. Bon, allez voir le directeur. Allez voir le directeur tout de suite. Mérité. Oh non, pas toi. Non mais... Qu'est-ce que tu fous là? Monsieur. Oui. J'ai eu un accident. Quoi? Mes doigts ont été coupés, j'ai un moignon, j'ai simplement voulu. Mais quoi? Mais pourquoi vous me frappez? Tu me dis pourquoi en plus? Tu réponds? Non mais s'il vous plaît, mon moignon a malheureusement atterri sur l'intello. J'ai pas comment ça? Là t'es en train de me dire que c'est arrivé au hasard. Oui, mon moignon a été. Mais, il devait avoir un. Prends-moi pour un abruti, c'est bien. C'est bien, continue ça, on va te tabasser, on va te virer, on va appeler tes parents. Donc je fais ça à l'intello et moi c'est grave et vous c'est pas grave. Allez, repars. Okay. Oula, la Inette, pourquoi t'as des coquards? Je me suis fait tabasser. Referme la porte par derrière toi. Referme la porte, l'intello là. Quoi? Non. Quoi? Pardon monsieur, pardon. J'ai dit à toi de le faire, pas lui. Bon bref, question pour l'intello. Oui. Question de sport, attention, au basketball. Combien de temps un joueur peut-il rester balle en main sans dribbler? 2 minutes. Non, quand même pas. Quand même pas, non, 5 secondes. Non, monsieur, il m'a triché, monsieur Linette. Il m'a envoyé un message. En quoi? Oh, le tricheur. Non. Il vous a envoyé quoi? À dire 1 minute. Il m'avait dit qu'il avait des problèmes. Bon, reviens en prison. Et toi, va en prison pour avoir triché avec lui. Quoi? Ah non, bah non. Si. Bon, du coup, question CM1, hein. Putain, vous êtes vraiment en CM1, là? Oh, arrêtez de vous battre dans la prison, là. C'est lui qui me touche. Qui a démocratisé la fameuse tarte Tatin? Ah, ça, c'est facile, c'est Alexander Maklovitch. Hein? Non, c'est les sœurs Tatin. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Martin non, Martin. Vous avez pas dit ça! Mais si! Ah, mais par contre, c'est ce que j'ai dit, on est d'accord. C'est ce que j'ai dit, hein. C'est ce que j'ai dit, les sœurs Tatin. Non. Il y avait Valérie et Michel. Bah voilà, on a la preuve que non. C'est pas les sœurs Tatin et Michel. Oh, le faillot, mettez-le en tôle. Bon, sur une question. Où se trouve le radius dans le corps humain? Le radius. Ouais, le radius, c'est dans le haut du dos. Ah non, évidemment que non, c'est dans le bras, mais qui ne sait pas ça? C'est vraiment une question typique CM1 là. Et le problème de CM1 est vraiment bizarre, hein. Bon, sur une question, Milcor, j'ai envie de voir passer là. Ok. Combien font 10 divisé par 2? Ça fait 5. Voilà. Wow, tu es trop fort. Vous avez vu ça? Bande de nuls. Moi je suis meilleur que vous, hein. Qui t'a dit de faire? Ouais, tout rôle, je suis là encore là. Je disais bien joué à mes camarades parce qu'ils sont vraiment forts. Tes camarades, on va les libérer. Linehead, arrête de regarder ta prochaine victime et va t'asseoir. Question CM2 pour Linehead. Combien de pays étaient membres de l'UE pendant sa création? Attends, P-A-Y-S-E 4. Non, 6 de l'UE, oh. L'Union Européenne. Et pourquoi ils rajoutent pas d'être à pays alors? C'est débile comme raisonnement. Bon, monsieur 708, question 6ème. Comment dit le mot beaucoup en anglais? Je sais ni l'anglais, monsieur. Bah, c'est pas mon problème, hein. C'est pas, monsieur, je sais pas. Bon, non, c'est pas, je sais pas, mais c'est à lot. Attends, bah, repose la question pour voir. Mais vous allez lui donner la réponse. Comment on dit du coup? Comment on dit le mot beaucoup? Bah, allô? Non, à lot. Non, mais même là, vous vous trompez. Bon, c'est pas grave, monsieur, c'est pas grave. Bon, vous redoublez, hein. À vous, monsieur Multicor. Convertissez-moi 62 hectomètres en mètres. 60, ça fait 6200. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est si drôle pour pendant ma question. La question, elle me faisait peur. Pourtant, il a bien répondu. Comme quoi, il faut pas avoir peur, faut rester solide sur ses appuis. Oui. Et en parlant de solide sur ses appuis, les mecs, on va poser une question à Linehead. Quel est le premier homme à avoir posé son pied sur la lune? Et attention, quel est le premier youtubeur à avoir posé un pied sur la lune? Youtubeur, c'est Fuse. Oui, pas mal. Et l'autre, c'est Armstrong. C'est quoi son prénom, Armstrong? Bah, j'essaie toujours avec. Enfin, moi, il y a le cycliste aussi. Vas-y, dites-moi. Neil Armstrong? Oui, bien joué. Vous passez en 6ème. Tout le monde est en 6ème là actuellement. C'est serré. Qui va gagner? On rappelle les mecs, là ils ont plus que la 6ème, la 5ème, la 4ème, la 3ème. S'ils réussissent la 3ème, ils ont le brevet. D'ailleurs, gros édit les mecs à ceux qui viennent de passer le brevet. Là, je sais que ça vient de passer récemment. Du coup, bah, gros édit à vous, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous avez eu. 708 scènes. Une personne sur combien vit dans la campagne? Combien de personnes ou combien de temps? Non, une personne sur combien? Donnez-moi un chiffre. 20? Non, malheureusement non. On va poser la question à votre collègue Multicor. Moi je dirais 2/3. Non, une personne sur combien? Une personne sur 3 du coup. Non, et 2/3 non, c'est pas une personne sur 3 malheureusement. Vous voyez que vous êtes nul en maths. Bon, à vous, monsieur Linehead. Une personne sur combien vit dans la campagne? Attendez.
Vous cherchez sur internet? Non, 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 je suis dyslexique donc j'ai un téléphone. Non, mais arrêtez! Mais oh! Allez, 2 personnes sur 3. C'est 1 personne sur 2, vous êtes tous trompés là! Si je dis. Qu'est-ce que t'en sais? Mais je l'ai vu! J'ai vu dans une vidéo! T'es vraiment allé compter? T'es allé compter les gens dans la campagne? Non, c'est de mes cahiers de professeurs! Ah, bah c'est bon, non, mais si c'est que dans le cahier des professeurs, c'est ok. Mais oui! La géographie pour les nuls! Pardon? Mais non, mais j'ai rien dit! Je préfère 708. Par combien le nombre 194 est-il divisible? Parmi ces propositions? Par 1, par 2, par 3 et par 5. Par 5? Non, pas par 5, malheureusement. À vous multi. Par combien est-il divisible? Bah. Il est divisible par 1 et 2. Oui! Bien joué! Il est divisible par 1 étant donné que 194 divisé par 1, bah ça fait 194. Et divisible par 2 étant donné que 194 divisé par 2, ça fait. Bonne question. 97, si, non? Ouais, 97, putain, merde. Est-ce que je peux sauter une classe, monsieur? Vu que j'ai répondu 2 fois. Vous pouvez prendre sa place, carrément. Oui, c'est vrai. Pardon? Non, je disais, bah non, quand même, on a un beau professeur, ça serait bête de le changer. Ouais, ouais. Ouais, et toi, t'as intérêt à pas donner de mauvaises idées, là. J'ai l'impression que t'influences mal les élèves. Quel est le nom du pigment qui permet aux plantes d'avoir la couleur verte? Le pigment pour avoir la couleur verte? Bah, le vert. La chlorophylle, perdu. Non, non, pause. Il m'a envoyé un message, il a tenté de me nuire. J'ai pas de téléphone, monsieur. Mes parents, ils arrêtez de regarder, vous envoyer des messages, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Question niveau 6ème, monsieur. Comment dit-on le mot oui en anglais? Yes! Voilà! À votre avis, mon parent de multicorps, vous êtes en 5ème? Oui. Ah oui, bien joué à vous. Dans quel continent a-t-il été créé le rugby? Moi, je sais. Europe. Oui! J'aurais dit les All Blacks, moi. Ça n'est pas un continent, monsieur. Question de 6ème. Comment appelle-t-on l'opération qui permet la transformation de l'aluminium? L'allumette. L'électrolyse. Perdu. Monsieur 708, qu'est-ce qu'un préjugé? C'est un inconnu. Non, normalement, c'est pas ça. Un préjugé, c'est vous ne connaissez pas quelqu'un, mais que vous avez déjà un a priori sur lui. Genre, vous vous dites par exemple, Lined, bah j'ai entendu dire qu'il puait, du coup, bah. Voilà. Regarde ton téléphone. Arrête! Arrête avec tes téléphones, arrête! Ça veut dire quoi, monsieur Multicorps? GES. Question de SVT. Je sais pas, GES. Attends. Je donne une réponse quand même. La géothermie, des gaz. Du sud. Ah, c'est les gaz à effet de serre. Ouais, mais vous avez mal répondu que vous restez en 4ème. Il en dégage beaucoup, lui, des gaz. Je parlais pas de vous. Je m'en fous. Bon, vous, je vous sens bon qu'en sport, en fait. Combien d'appuis au sol peut faire un joueur au basket lorsqu'il reçoit la balle en mouvement? 3. C'est 2. 2. C'est bon, ça, il a dit 2, hein. C'est la bonne réponse. Moi, je fais. Il a pas dit 2, arrête de mentir. C'est dans une scène, question de niveau 5ème. Quel est le pourcentage d'eau douce sur Terre? Ah, mais là, il bouge plus, monsieur. Hein. Soit il est mort, soit il fait une recherche. Hein. Non, non, mais vous avez pris trop de temps, vous avez pris trop de temps. C'est 2,5%. Mais s'il vous plaît, elle a avancé, là, vous savez, 10 ans, vous redoublez. Que veut dire la phrase, monsieur Multicore? Quantos alumnos en la clase de mathematica? Combien est-ce qu'il y a d'élèves dans la classe de mathématiques? Oui! Merci! Je suis trop fort! Vous êtes mon élève préféré! Venez oui, voir! Oui. Moi, vous êtes mon prof préféré, moi, de toute façon. Vraiment, je vous adore, monsieur. Wow! Je vais vous raconter un truc. Franchement, faut que vous aidiez les élèves en difficulté. D'accord, je vais essayer. Mais pas leur donner les réponses. Faites mon travail à ma place. Oh merde. Okay. Vous m'écoutez, vous? Vous me prenez pour qui, là, escalader, là? Pour un 6ème. C'est vrai. Bon, du coup, là, tu vas me raconter quelle est la capitale de l'Allemagne? Bayern Munich. Elle va en prison, c'est bon. J'en ai marre de tout. 708, c'est une question niveau 5ème. La capitale de l'Espagne? Je sais pas. C'est Madrid! Il est mort sur place. Tu connaissais pas Madrid? Non. Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Si. Non, bizarre de ne pas connaître quand même. Oh, on a par contre notre meilleur élève, monsieur Multicore, en 3ème. Il passe son brevet là, actuellement. Citez-moi 2 pièces de théâtre de Molière. Roméo et Juliette et Le Malade Malgré Lui. Attends, mais Roméo et Juliette, c'est pas Shakespeare? Oui, c'est bel et bien Shakespeare après vérification. Vous dites n'importe quoi, monsieur. C'était un test en fait. Suivant, le suivant élève, il est en prison. Du coup, à vous, qu'est-ce qu'une nouvelle, monsieur? Cette scène. Une nouvelle, c'est quelque chose qui un nouveau truc, quoi. Non, pas ce terme-là. Je veux dire, genre le terme, le récit. Après, je suis désolé, mais il avait bon quand même. Enfin, au final, vous avez pas précisé. Ouais, c'est vrai, allez, franchement, c'est vrai, bien joué à toi. Il m'a eu mon propre jeu, les mecs. Un max de GG dans les commentaires. Bon, Multicore, question pour 3ème. Est-ce que vous allez avoir votre brevet, là? Vous avez perdu la mention très bien en répondant faux tout à l'heure. Là, on vise la mention bien, là. Que veut dire le terme mathématique médiane? Médiane, c'est comme la moyenne, mais c'est pas pareil, parce qu'en gros, c'est s'il y a une suite de nombres, et bah, c'est celui qui est au milieu. Donc, si t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est 5. Mais si t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10... il y en a pas du coup parce que ça marche pas vu que c'est impair, mais en gros. Bon, on a compris, oui, j'ai compris. Vous voilà. Avez réussi! Bien joué! Ah bon, oh, je suis trop fort! Bon, les mecs, j'espère que ça vous aura plu. Pour finir, on va tuer les élèves les moins bons, c'est la règle. Voilà, désolé pour vous, mais on ne veut pas d'élèves mauvais. Si ça vous aura plu, abonnez-vous, les mecs! Multicore, tu leur fais quoi aux élèves qui sont pas abonnés là? Ah!